les gens, c'est Pardarine, je suis toujours en compagnie de Katox, Weirdmec et Atemir, et... C'est la merde. On avait lâché un monstre. C'est la bagarre. Et on parle pas de ce qui se passe dans les toilettes. Et on reprend direct après avoir lâché l'épisode précédent, sans aucune pause. Ah, parce que là on est chaud patate pour démonter ça. Chaud patate. Bon, donc je vais continuer d'aller taper des gens. Ouais. Comment ça? Comment ça? Ouais, hein. Bon, il est pour toi, Mulmire, je te laisse la fin. Ah ouais, bah t'inquiète pas, moi je vais venir lui chatouiller le... Ah bah non, bah là je pense que je vais aller lui chatouiller le fondement et l'autre à côté, c'est pareil, je vais lui faire un petit test. J'ai tué celui qui était à côté de toi, mais... Moi je pense que je vais reprendre mon élémentaire d'eau pour lui faire un peu de heal. Oh grave, incroyable ça. Esquive. Ah ça peut... Ah mais je... Qu'est-ce qu'il fout? Tout ça pour ça, ça n'a aucun sens. Ah. Oui, je deviens incroyable. Oh c'est incroyable, ils se tabassent les uns les autres. Est-ce que moi à tout hasard j'aurais aussi une popo de bagarre? C'est des bagarres. Oh, j'ai pas de popo de bagarre, je crois. Oh. Attends, j'en ai peut-être une autre. Oh, vrai, ma foi. Regarde dans la bourse que j'ai qui a 46 trucs, il y a peut-être une autre popo dedans. Qui a 46 trucs open. Il y a plein de bordel, ça c'est sûr, mais... Oui, je vois. Attends, je peux stacker les trucs qui se stackent, parce que là tu c'est... Tu peux essayer, mais normalement c'est à peu près stacké, je crois. Non, c'était pas du tout stacké. Bon. Oh putain, c'est mortel. T'as un élixir de mage de bataille, je suis très content que tu aies un élixir de mage de bataille, mais non, j'ai pas l'impression que t'es ce que je veux. Et ben tant pis, il y aura pas de... Des os. Oh attends, fais chier. Attends, non, c'est peut-être celle-là. Et dans l'autre, dans l'autre poche, j'ai peut-être des trucs. J'ai des flèches, je sais, mais je sais pas trop ce que j'ai d'autre. Attends, j'en vois qu'une moi des bourses. Non, après j'ai un surprenant sac à dos d'aventurier avec 27 trucs. Ah. Non, t'as une pelle, Oh, t'as un feu d'artifice. Oh, t'as une flèche explosive. Bon, non, il n'y a pas. Bon, tant pis, va falloir faire ça à la régulière. Toi, alors. Bah, ça va dégager, hein. Non! Putain. Tiens, voilà, je te l'ai. Ah. Tu peux pas le finir? Hein? Tu peux pas le finir? Si. C'est pas ça. Ah, non. Putain! Non. Attends, ah, non, je vais faire la capoeira, c'est parti. Je pensais avoir réduit l'alarme là et au final j'ai toujours... Non, j'ai mis ce... C'est incroyable. Attends, mais tout le monde le tape. On n'a jamais vu mieux. Bah en même temps il bloque la porte à mon avis. Bah c'est ce que je me suis dit, si je le mets dans le feu et dans la fin d'Adar, normalement... Par contre du coup désolé Katox, ça te bouche un peu la vue quoi. C'est pas grave, ouais. il a des minions juste devant lui. Qu'il peut d'ailleurs tenter de repousser dans le feu et la fin d'Adar. C'est à peu près prévu, mais le problème c'est que j'ai pas l'angle. Il est trop près du mur en fait. Ah dommage. Mais bon, si je prends là, hop. Pierre, tu peux pousser le beholder aussi. Par contre, si t'en as essayé de tuer des gens, il y a un mec qui a 12 PV dans la salle et il y en a un qui a 23. Qu'est-ce que je fais? Je tue les gens ou leur... Tue les gens, ça fera moins de DPS sur notre gueule. C'est ça, c'est celui qui est à côté de Mulmire, il va jouer. Et celui qui a pas de PV, par contre, je jouerai avant lui, donc celui qui est à côté de moi. Mais le celui qui a 71, là, le garde-coffre. En gros, t'as lui et lui, ouais. Là. Ces deux-là, ils vont jouer avant que nous on joue. Donc autant buter celui à 23 PV. T'en fais déjà un. C'est tout. T'as pas échangé tes deux arbalètes hein. Ah oui non, j'ai zappé. Après pour le peu que j'utilise.
Allez, la sauvegarde en position. Ah, il voulait faire un sort. Ah, il voulait la tirer à lui. J'espère que le spectateur pourra quand même, jouer. Au pire, à mon avis, c'est mal parti pour lui. Hein. Au pire, il aura tanké sur 80 PV de dommage et ça sera déjà pas mal. Hein. T'as pas riposté. Non, ça me prend un dé de supériorité et je préfère le garder au cas où. Par exemple, tu vois, si jamais il y a. J'ai essayé de désarmer un des deux. Un des deux Steel Watcher, à mon avis. Ok. Alors. Un familier. Donc. Ah, ouais, c'est un vrai sort, un familier. Ouais. C'est... Attends, fais gaffe. C'est de la concentration ou pas? Non. Ok. Non, mais ça t'enlève pas. Une invocation. Oui, non, c'est plus que ça enlève pas le mur de feu, quoi. Je vais m'éloigner encore un tout petit peu. Vous avez raison. Est-ce qu'il va pouvoir jouer avant de se faire démolir? Bah, je comprends pas, hein. C'est pas dit. Bah non. Forcé de constater que non. Ouais, mais ça les aura occupés quasiment pendant un tour. Oh oui. Oh, oh, il a pas tapé, je suis si triste. Ah, la fin d'Adar, c'est bien quand même. Ouais, bon, pas mal. Alors, je vais essayer de me mettre de côté pour pas perdre la concentration. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, celui à 60. Tu le tueras ou pas, Arda, celui à 60? Celui à 60, peu probable. Déjà, je vais. Si tu peux... En plus, si tu le tapes et que je bouge mon Myrmidon, je peux nous faire du heal à tous. Donc, si tu peux finir le mec à 60, ça m'arrange, comme ça j'évite de le heal. Ah non, c'est bon. Non, il est mort, mais... malheureusement, je vais être trop loin pour le dernier. D'huile. Ouais, je peux pas essayer, ça faut l'attaquer, c'est chiant. Oh, bien joué ça, il a pas réveillé. Ouais, il a foncé déjà. Ah, mais c'est parce que alors. Ah, oh, ah, vraiment. je sais pas si. Bah, attendez, je vais essayer de voir ce que ça donne de lui tabasser la gueule. Ça a l'air de fonctionner. Tu l'as loupé là? Ah, je non. Ah, non, c'est juste lent. Donc, effectivement, je peux leur taper dessus sans que ça réduise mes dégâts sur eux. Pourquoi ça réduirait tes dégâts sur eux? Parce qu'ils ont des résistances. Aux dégâts non magiques, mais. Ah, mais non, mais mon arme elle est magique, je suis con. Bah oui, c'est bon. C'est embêtant. Concentration, tu concentres sur quoi? J'ai mis détecter de la pensée, comme ça, ça me permet de faire un dégât de dégâts psychiques en plus avec mon petit anneau. Non, il m'a stoppé ma fin d'Adar, l'enfoiré. C'est Non, elle est toujours là, elle est toujours là. Ah putain, je voyais plus. Si, si. Comment ça se fait que j'ai avantage? Ah, j'ai avantage contre les grosses créatures. Oh bien ça. Alors le but maintenant c'est va de le mettre maintenant ça va de le mettre en mode surcharge. Le renvoie dans ses 22 quoi.
Ouais, je... Ah oui ! Ah ouais ! Ah ouais, j'avoue. Oh, on le fait péter là, ça va être... En vrai, à mon tour, je peux. Hein. Genre, il suffit que je balance des flèches qui font chier, et ça devrait le faire. C'est en dessous de combien de PV déjà qu'il est en machin, on se souvient ? 15. Ah, surtout qu'en plus il va bloquer la porte quoi. C'est surtout ça qui est incroyable, en fait il bloque la porte, ses potes ils vont pas pouvoir passer. Ah ouais, ouais, c'est pour ça, ça va faire turbo réaction en chaîne là, ça va être Eh vous pouvez... Mais comment ils font pour tirer à travers la fin d'Adar? Bah tu vois pas dedans la fin d'Adar, mais ça tombe. En vrai c'est... il a perdu 2 PV et demi, tu pourras nous soigner quand même hein. Arda. Ah oui, mais tu nous as déjà heal en fait. Oui, mais je peux le faire à tous les tours. Oui, oui, non, bien sûr, mais ton Myrmidon il a déjà joué. C'est que je veux dire. Ah, c'est ton Myrmidon qui heal, c'est pas toi quoi. Qu'est-ce que je vais faire d'intelligent? Tu peux buter lui là. Je sais pas si c'est intelligent, mais. Ça me bute ça à chaque fois, vraiment. Est-ce que. Les sorts classiques qui ne disent pas de concentration ne pètent pas les sorts de concentration, on est d'accord? Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Par contre, fais gaffe, maintenant que tu l'as mis par terre, du coup, c'est plus compliqué de lui tirer dessus. Hein. C'est pas grave, vous pouvez le choper au corps à corps. Oui, 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 non, mais c'est si tu voulais toi tirer dessus. Ah bien. Non, moi je me posais un piège sur le sol. Ah oui, très bien. Un piège par là-bas, là. Genre un glyphe. Ah oui, oui, je vois. Alors d'ailleurs, là, on a les pieds dans l'eau, hein, nous. J'ai pas un glyphe de foudre. Ah, je suis trop loin. Ah, je sais pas si ça va passer là. Ah non, ça englobe pas assez de gens. Bah après, déjà, si ça en englobe 2-3, c'est bien. Hein. Non, ça englobe juste le gros là. Ah. Le premier. Et tu peux pas te déplacer? Mais il y a la carcasse là du gros machin qui me gêne, j'arrive pas à voir. Ah. C'est marqué cible incorrecte, mais tu m'emmerdes. Laisser tomber cette idée. C'est pas un petit éclair ou une connerie? C'est là qu'un petit éclair enchaîné, ça aurait été genre. Mais oui, mais bien sûr, mais pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé? Est-ce que j'ai ça dans les pare-chaux? Ah, si seulement on était passé devant un marchand qui en vendait. Bon, parchemin de chaîne d'éclair. Lancez le sort. Ah, je suis dans le chemin. T'inquiète. C'est qu'une information, ça. Ouais, je sens que je vais avoir le droit à une petite épilation là. Oh! Ouh! Pas mal ça. Faut le faire péter. T'en as buté un, non? Oui. Ouais, sur un malentendu, il en a buté un. Et je m'éloigne. Bien joué ça. Mais voilà. J'en ai encore d'autres hein, derrière hein, s'il faut. Et il commence à me... bon. Tu peux courir sur le haricot? Ouais. Mais je pensais que la chaîne d'éclair taperait sur plus de gens encore. Alors? Ah, ça s'est enfin arrêté, putain. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Ouais. Ta gueule. Ouais. Attends, il faut que j'aille buter l'autre, hein, donc minute. T'en as le Steel Watcher là, derrière. Ah, j'avoue, ouais. Le Steel Watcher, si tu peux le faire péter, ce serait cool. Oui, c'est l'idée, mais d'abord j'aimerais ne pas mourir. Bah, tu vas pas mourir.
T'as 93 PV, j'en ai 50. C'est bon, il a un PV, il va surcharger normalement là. Bah je sais pas, il est il pas en surcharge de... en fait. Ah mais non, peut-être à son, pro... ah, peut-être à son tour à lui. C'est-à-dire juste après. Ouais. Après avoir perdu un certain nombre de vies, ses gardes activent la séquence d'autodestruction. S'il meurt, il explose aussitôt. Donc s'il arrive à zéro, il explose. Donc je te... Ah, okay. Ah ouais, recule. Bah. Ah bah voilà. Ouais. Je l'ai quand même. Bon. Si je t'amoche, je commence à t'amocher le gars derrière. Donc. Ouais bah je pense que je vais aller lui casser la gueule hein. Je le laisse comme ça. On oh bon, enfin, je vais, ouais, ouais. Tu peux le buter là. Ah oui, si je loupe, bon là ça va quand même devenir triste si jamais j'arrive pas à le tuer. Je vais quand même nous refiler un coup de heal. Ça va le healer en passant, je suis désolé. Hein. Pas grave. Je rêve ou ça vous a pas heal tous les deux? Non. Pourtant vous étiez dans la zone. Et ben, ouais. Ça aide pas les cacs. Peut-être parce que je suis caché derrière la... la boîte et que vous êtes pas dans ma ligne de mire. Mais ça me ferait. Ah, peut-être. Mais c'est bien au moins ça. C'est cool parce qu'il y avait que vous qui manquiez de PV. Oui, c'est exactement ce que je me disais aussi. T'as dit, j'ai balancé une flèche qui fait boum, mais elle a pas fait boum quoi. Je suis un peu déçu. Hein. Oh. Ah, ils vont tous se paquer comme des. Ah wow. Ah, oh, y'en a moins déjà des mobs là. Ah, là, oui, ça fait un peu. Ça a nettoyé un peu. C'est beau. Ça va, y'a que le gros qui est mort et un autre qui a été. Non, deux, y'en a deux qui sont morts. Y'en a deux qui sont morts. Y'en a deux qui sont morts. Ouais, ouais, y'en avait un là et un par là, là. Par contre, pour fouiller tout le bordel qui va être là-dedans, ça va être sympa. Oh, ça va être casse-couille à mourir, mais c'est pas grave. Comment ça? Qu'est-ce que t'as lancé? Des bombes. Et ce qui est marrant, c'est que je peux lancer une bombe là, mais pas. Attends, peut-être que ici ça va les toucher. Bon, je t'entends. Ah ouais. Pas mal. Putain, ils sauvegardent tous à la bombe, c'est relou. Hein? Pourquoi je peux plus? Ah bah je peux plus bouger, d'accord. Au tour prochain, je suis stun. Jamais. Ah oui, c'est vrai que toi t'étais en haste. Ouais. Allez, Katox, fais-nous de la magie. Bah, je regarde ce que je peux faire. En vrai, ils sont plus de 4. Ça aurait été moins compliqué que ce que j'imaginais. Bah après, bon, on est quand même full stuff, full level max. C'est-à-dire heureusement qu'on arrive à se dépêter d'un combat compliqué, quoi. C'est pas faux. Mais c'est vrai que ça semblait mal parti au vu des nombres de protagonistes dans ce combat, quoi. C'est assez chouette, ils sont quand même nombreux en face. Ah, t'as 3 rangées dedans quand même, hein! J'ai ça! Oh la bouse! T'as un gros œil, hein, le Beholder là! Ouais! Mais il aura bien tanké, hein! Bah, c'est 180 PV de tanking, hein! Ah, puis c'est surtout que ça les a bien concentrés dans la porte, dans le machin, non? Je suis quand même très déçu qu'il ait pas eu l'opportunité d'attaquer! Et il s'arrête au même endroit. Oh zut. Et... Ah d'accord, ok. Là-bas. Oh je sais pas. Il... Comme ça il est sûr de pas bloquer ses potes. Ah mais c'est surtout qu'il a pas d'arme au cac, j'ai l'impression. Hein. Il a une arbalète lui. Alors peut-être qu'il a une épée cachée dans le fion, mais de but en blanc comme ça je dirais qu'il en a pas. Ah c'est vrai qu'effectivement je vois pas d'épée. Bah c'est bizarre, normalement ils ont les deux. Bah je ne sais pas. Ah bah il a disparu.
J'ai rien compris à ce qui vient de se passer. J'ai rien compris. Je voulais balancer une illusion pour... Normalement, ça dure 10 tours. Faut croire que non. Bah, il semblerait que... Ah, mais non, mais peut-être que ça dure 10 tours si les gens, ils font pas le jet de... C'est ça, il y en a un qui a réussi un jet d'investigation, donc à partir de là... Fuck, moi qui pensais les brains en mode, tiens, je vous mets une petite distraction. Je suis déçu. Ah ouais, rentre dans la fin d'Adar. Non, tu n'actionnes pas le truc qui fait bip bip, là. Alors, à mon avis, le truc qui fait bip bip, là, bon... Bon, moi je suis stun, hein, donc c'était un tour bien efficace de ma part. Y'a pas un Gus à côté de nous là, avec Jama? Heureusement que je t'ai heal juste avant que tu bouges. Ah bah, y'a eu le temps quand même, hein. J'ai attendu un petit peu avant de bouger. Oh là là, est-ce que tu lui mets? Ouais. Et on va s'arrêter là, hein. Mignon, il est venu juste à côté de moi, dis donc. Ouais, si. Fin d'Adar, mur de feu, concentration pas brisée, ça fait du bien. Ah bah, ça fait mal, hein. Bah, franchement, les spells posés par terre... Bah, surtout quand t'as un couloir comme ça. Avec un petit couloir juste devant. Non, mais c'est surtout qu'en fait, si les mobs, ils restent dedans un moment, forcément, ça leur fait vachement mal, quoi. Et en plus, la fin d'Adar, ce qui est cool, c'est que... ça les empêche de voir, quoi. Ouais, donc ceux qui tirent à distance. Oh, ben. Attends deux secondes. Y'a un Gus qui est venu là. Retourne. Allez, à plus. Retourne-y. Dans la fin d'Adar et dans le feu. Hop, salut. Le pouvoir, quoi. C'est sûr. Vraiment. Après. Non, tu vois, il est au cac et il tire dessus. Ah, brave bête. Ah, non, pas brave bête. Brave bête, mais un peu moins, quoi. Au secours, j'ai peur. J'ai pas des tonneaux, là. Ah oui. Venez à moi, mes petits. Bonjour. Je le tuerai pas celui que t'as mis par terre parce que c'est trop compliqué, mais. Il y a trop de PV. Je vais le laisser à venir. Trop compliqué. C'est très gentil, je te remercie de ta gentillesse. Ah, c'est bien, on se fait des politesses, tu vois, genre bah, après vous, massacrer cet homme là, oh, c'est gentil quand même. Hein. Oh, c'est ce que je me dis. On se fait des cadeaux de mise à mort, tu sais. Oh, pour moi, est-ce vraiment. Que mur de feu, tu peux le déplacer? Non. Ça se serait déjà craqué, quoi. Je sais pas, moi. Pas magicien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si tu peux ne pas tuer le gars à 33 PV. Le gars à 33 PV, tu veux que je le laisse vivant? Bah non, tu peux la mocher, mais ça serait idéal s'il ne mourrait pas. Moi j'allais lui lancer une fireball. Après si t'as envie, fais-toi plaisir, hein, y a pas de problème. Je veux pas te briser dans ton élan. C'est plus que ça me donne des actions de buter les gens. Donc. Possibilité de déplacement insuffisante. Ah, c'est la carcasse de la bête là qui m'empêche. Encore? Mais ouais, ça brise ma ligne de vue en fait. Ah. Ah là, là 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 là. C'est une belle carcasse, hein. Regarde, bute-le, fais-toi plaisir, hein. T'inquiète. Alors là, ça va faire quoi ça? 18 à 72 D6 plus 6. Qu'est-ce que c'est que t'es en train d'essayer de lancer là? Curriculum quelque chose? Curriculum vitae. Et ça fait, ouais, 12 D6 plus 6. Ah, le Magic Missile plus là? Ouais. Là, c'est 3 D6 par truc, non? C'est pas ça? Par cible? Vas-y, défonce-le. Oh! Incroyable! Le mec, tu lui as enlevé 3 cartes CPV en un spell, quoi. Je pense que j'aurais pu le tuer en vrai si j'avais mis tous les trucs dessus. Hop, il va se rapprocher.
Bah ouais, rapproche-toi. Bah ouais, bah et ouais. Et voilà, j'avais pas besoin de gâcher, c'était parfait. Hey, il est même mort d'ailleurs, ce con. Tiens, toi aussi. Eh hey, oh. Non, non, le nouveau son de Mano là. Merci, ouais. Alors, est-ce que tu peux l'achever? Bien sûr. Voilà. Et celui qui est au sol, est-ce que tu peux le finir? Ah, gars, celui qui est au sol, il a 48 PV. Genre, j'aimerais bien. Moi, je peux le terminer, celui qui est par terre. Ah, je te dis. Non, mais là, mais c'est bon, je peux le. Ah, tu... Le faites pas trop vite parce que je vais quand même vouloir nous heal. Il est mort. Bah, attends, fais gaffe à l'autre là quand même. Hop là, c'est bon, je suis là. Bah, tu l'as heal l'autre con là-bas. Oui, ah, mais c'est bon. Ah, mais personne n'a l'action à 62 PV. Ah, mais c'est bon, il va mourir l'autre bidule et on est bon là. Voilà pour la forme. Hop là, moi je passe mon tour parce que ça sert à rien de faire quoi que ce soit. Boum. Et c'est une victoire, sanglante, mais une victoire quand même. Non, c'est bien, on aura massacré toute la... La banque. Ouais. Au moins... Ah, qui est bon. J'ai envie de dire, au moins, on peut piller dans la joie et la bonne humeur. Ah, ça. Invocation d'élémentaire mineur, parchemin de rayon de soleil, domination de personne. Écoutez, pourquoi pas. Aradarine, t'es trop lourd. C'est bon, je suis plus trop lourd. Oh, t'inquiète, t'inquiète, il m'a envoyé toutes ces merdes. Bon, sur ce, moi, j'ai un coffre à piller. Ça n'est tout comme. Oh là là. Oh là. Ouais, hein. Est-ce que tu serais pas dans une flaque d'acide? Je suis immunisé, donc tu sais, bon, je t'avoue, ça me dérange pas trop. Je vais faire un succès critique sur l'ouverture de la porte, je vais faire un succès critique sur l'autre côté, et puis voilà, on en parlera plus, hein. Bah, vous, d'accord, on pille tous les cadavres, hein. Oui, moi, je veux bien que vous me les envoyez, mais après, je les enverrai au camp, et un jour, il faudra quand même que je prenne un épisode pour vendre toutes les merdes dans mon coffre. J'ai aussi envoyé au camp. Oh, il y a des pare-chaux de rayons de soleil, oh. La salle des coffres, à ton avis, ça m'envoie quelque part d'autre? Oui, ça t'emmène à... Ah, c'est des coffres. Non, il y a des coffres dehors à piller. Ouais, c'est vrai. Que oh, allez, let's go. Mais vous avez fait tous les cadavres? Ah, il y a un coffre à crocheter ici. J'arrive. Non, j'escamote des dalles, là. On est où, là? Un jour, il va falloir que j'en rachète, d'ailleurs, des trucs, parce que j'en ai plus tant que ça. Attends, mais... Huile d'affinage, élixir de résistance nécrotique. C'est quoi ton truc là qu'il faut que je machine? Je suis devant le coffre à crocheter. C'est pas les coffres, hein, parce que j'ai chopé plein de clés partout. Bon, sur le navire, t'as plein de coffres à ouvrir. Hein. Ouais, moi je vais aller. Ah, celui-là c'est bon. J'ai pas eu besoin de le crocheter du coup. Je vais aller péter les trucs qui alertent les gens là parce que ça me saoule. Tiens, dégage. Voilà. Ça au moins. Je vais aller voir tout le monde. Ah bah tiens, il y a une porte aussi à crocheter ici. Ça nous amène où ça? Oh là! Oh là, c'est quoi ça? Arfan Captain. Ah mais ça nous ramène... Ok, bon là-bas faudra qu'on y aille après. Oh! Il est pas assez Warda pour après des trucs dans les poches. Oh là, qu'est-ce que quoi? Hein? Peste marine. Bédé, Dream. C'est quoi cette marine? Putain, ça merde! T'es en combat? Hein? Non, je suis pas en combat, je suis juste tombé malade. D'ailleurs, avant qu'on se reprenne un combat, est-ce qu'on serait pas un petit long repos? Attends, il va d'abord fouiller tout. Ouais, j'ai trouvé des poissons, tiens, je t'envoie de la bouffe. Est-ce qu'avant un long repos, est-ce que déjà on ferait un court repos déjà? Bah, quel intérêt de faire un. Oh! Moi j'avais plus de points de ki et je t'avoue que sur le principe c'est frustrant de rien pouvoir faire. Sur le bateau que je suis en train de ping, il y a des coffres à des déroulés. Hey les deux bateaux qui sont là et là. Attendez, pas tous en même temps. Il y a l'autre qui s'extasie depuis 10 minutes là. Non. C'est un nain, on s'en fout. Non, je m'extasie pas, là je suis en train de me bagarrer avec un imp. Un méchant imp. Bagarre, j'arrive. Comment ça? Quand vous prenez des dégâts. Pourquoi vous êtes allé aussi loin? Mais parce qu'on suit l'ordre des bateaux. Attends. Bah ouais, mais on a pas fini de piller les premiers bateaux qui étaient juste à côté. J'ai pas trop envie de le taper, l'imp. Hein. Pourquoi est-ce qu'il dit? Ah ouais? Bah parce que quand on lui fait des dégâts, il renvoie en fait 3 fois le montant des dégâts en dégâts d'acide. Ah. Tu vois ça où? Bah sur Caustic Retort. Ou peut-être que c'est au CAC, je sais pas. Et t'es en combat contre ce machin? Ouais, oui.
Attends, laisse-moi essayer. Dis-toi non, que au pire je meurs. Ouais ouais vas-y teste et tu me dis. Ouais, si tu me vois mourir, c'est que c'était. Faut que je trouve le bon angle. Alors après si y'a que ça je jette par dessus bord. Mais non mais non. Ah oui. Et il vole. Pas grave, je suis dans l'eau. Oh mais t'as pas pris de dégâts. Bah lui non plus. Du coup ça ouais, paraît c'est... logique. Bon alors attends, c'est quoi son délire là, ce truc là? Bon bah attention, hein, moi aussi je vais essayer de le tuer. C'est parti. Oui, je confirme. Ah. Bon techniquement. Et du coup il est sensible au feu. Bon bah allez hein, ah oui, il est immunité au feu. Ok, qu'est-ce que je peux lui mettre dans la gueule pour lui faire bien mal là? Bah le problème c'est que ce qui va se faire bien mal, il te fera bien mal à toi aussi. Ouais 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 ouais, mais c'est pour ça si j'arrivais à essayer de le one shot. Dans le doute je peux vous heal. Wow. Ah oui effectivement. Pas ah c'est ce que je dis, hein, je peux le jeter par dessus bord hein, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il loot. Play sous la forme de dommages d'acide. Ouais ça fait mal hein. Ah ça. Ça fait très mal. Bon bah alors je propose un truc, je lui tape dessus. Ah mais attends, attends, j'ai une superbe idée. J'ai une superbe idée. Merci pour le heal. Tu peux te décaler ou pas Mimia? Ça une fois de plus pas healer, c'est nul. Ouais je peux me décaler mais là je peux encore lui taper dessus donc Non non mais en fait je pense que juste tu lui balances un truc à la gueule qui pète. Et c'est pas toi qui fais des dommages du coup peut-être que c'est ça passe, tu vois ce que je veux dire? Oh habile. Ouais hein. Je sais pas si c'est possible mais dans le doute. Bah ça tu vas être trop proche, je pense que la bombe tu vas te la prendre en pleine tronche hein, ouais, là c'est celle que je vais envoyer. Je vais l'esquiver Ah ouais. Bah oui. On tente. Bon. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non mais bon, fallait tester. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais me suicider aussi. Comme ça, on Vas-y, Katox. C'est ouais, à toi de mourir. Ah. Bah, il lui reste 6 PV. Il reste 6 PV. Le Myrmidon, il peut pas faire. Arda, c'est ton moment. Il faut que tu lui fasses pas trop mal parce que sinon, tu meurs. Faut que tu lui fasses un truc qui fait 6 PV dans la gueule et on est bon. Bah non mais un missile magique on est... c'est marre. Ouais mais un missile magique c'est un sort. C'est pas un petit... Bah c'est un cantrip. Ah non c'est un level 1. Un missile magique c'est un level 1. Ah. T'as pas un petit cantrip là? Parce que si je lui mets un missile magique ça... c'est pas bien. Ah, le problème c'est que en fait quand tu lui fais des dommages, il te fait... Tu vas prendre 3 fois les dommages que tu lui fais. Donc fais juste un truc qui lui fait 6 PV comme ça moi t'as pas trop voilà, mal. Voilà il faut quoi. Pas lui faire trop mal quoi, c'est plus ça. Et c'est marrant parce que... Les cantrips ils font plus mal que mon missile magique hein. Ah ouais bon bah j'ai rien dit. Après c'était dans une question d'économie. Vive Égypte magique. Bon. Bon bah j'espère qu'il y aura des trucs intéressants parce que vraiment s'il a... Ah on est mort non, ah non on a... Si on relève, bah on est stabilisé automatiquement en fin de combat. Ah. Je vais aller relever. Bon j'y vais pas, je vais looter le gars alors. Attends, merci. Il avait rien. Il avait rien. Tout ça pour ça. Et on a fait tout ça pour un élixir suprême d'arcane, pour voir l'invisibilité, deux lingots d'or et plein de bouquins. Attends, il y a un truc là-bas. Ah, mais par contre, musique, j'ai. Les musiques dans le petit temple qu'on a là-bas. Il était en quarantaine. Oui, alors vu que c'est pas la même chose, le temple, on va peut-être finir la. On finira oui. La. Le temple, quel temple, y a un temple. Hop là, j'ai envoyé un rayon de soleil Arda avec deux scrolls pour dominer les gens. Des scrolls of stupidity? Ah non, des scrolls de dominer de personnes. J'adore dominer. D'accord. Et Moi, je préfère les dominos. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça y est, ma goule est enfin revenue. Elle a trouvé le chemin. Ça, c'est ce que disent les vieux quand ils arrivent enfin à faire la mort. Ah non, c'est la goule. Ah, mais attendez. Oh là 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 là. Je viens de me rappeler de quelque chose. Alors, je vais donc taper des sacs pour me hit. Tu sais quoi, faire un long repos juste après? C'est pour la forme. Plus de questions. Vous êtes parti où là? Je sais pas, je suis retourné au quai de la maison. Des ah coups. Ouais. Parce que vu tous les coffres qu'il y a dans les bateaux à côté. Et pendant ce temps là, je vais alors envoyer déjà une flèche. Bonne ennemi à Témir. Après, je vais peut-être les lire les bouquins parce que je crois pas que cette zone là elle y était avant. Ou alors j'y étais pas accédé sur mon oui, premier. Il y a le Katox, j'ai une huile de pyromane, j'ai un extir de force de géant des collines. Ça, ah oui, le géant des collines.
C'est mieux que rien. Le chemin de rayon de soleil, mais je le connais pas, lui. Est-ce que vous avez re-ramassé la flasque en fer, là? Non. Comment ça, re-ramasser? On peut pas la ramasser, elle est cassée. C'est fini, hein, le monstre est sorti. Oui, mais je vais encore 10 PO. J'ai envie de dire que bon... Ah, vous avez déjà pillé toute la tour, là? Bah, il y avait rien dedans, donc... Oh, il y a une baliste. Fais les bateaux atteindre, il y a plein de coffres. Ouais. Surtout le bateau, là. Qu'est-ce que... Ah oui. Oh, là, oui. Oh, il y a des barils de poudre. Ah, si seulement on les avait eus. Il y a encore un coffre orné de dorures par là. Je crois que ces bateaux-là, ils y étaient peut-être. Ah, si, peut-être. Que de richesses à portée de main. Par contre, les outils de voleurs, les gars, j'en ai plus beaucoup. Hein. Il va falloir en retrouver. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il m'en manque parce que à un moment donné, j'en avais quand même vachement et. J'en ai plus que 8 quoi. Là tu les aurais pas dans un sac Je sais pas. Bon Katox, je t'envoie toutes les merdes hein. Sois clair. Bon allez, je vais vendre un moment. C'est que des trucs qui se vendent alors bon. Ouais ça va, t'inquiète, j'ai déjà au moins 2 diamants noirs. On a dit des bouquins. Des bouquins. Parce que je te foutre de bouquins. Ah ouais, t'as que 9 trucs ouais. Ah, des compos, c'est bien ça, des compos. Bon, est-ce qu'il reste des coffres sur ce truc? Sur l'autre, le bateau de l'autre côté, il y a encore un coffre quand tu rentres. Je te rassure, ce bateau-là n'était pas fini encore. Ah. Les trucs que je garde sur moi, je pense que. On va les envoyer à la vente, hein. Bon, bah ça, c'est pour Rada. C'est quoi que tu voudrais vendre à tout hasard? Parce que si c'est des pare-chocs qui concentrent dont t'as pas besoin, moi je veux bien les récupérer, non, comme ça je les. C'était pas des pare-chocs, c'est genre des potions de communication avec les animaux, des potions de santé, trucs comme ça. Mais ça c'est bien, comme les trucs. Ah, les au pot de santé, moi je dis jamais non, hein. Ouais, mais c'était pas un truc pour gagner des PV, c'était un truc genre pour se soigner de tel truc ou telle autre connerie. Ah, bah là, la maladie par exemple. Là, moi je suis malade, ça peut être utile. Attends, je regarde si j'en ai pas. J'ai un antidote. Si tu veux me filer des antidotes, vas-y, hein, envoie. Je vais t'envoyer à Katox. Quoi? Bah attends, moi je te les prends les antidotes, paf. Ouais, ça fait toi plaisir. Alors, soif de sang, je peux pas en faire. Géant des nuages, géant des collines, je peux pas en faire. Oh là là. Ah ça c'est bien. Est-ce que je peux faire des potions de soins? Non plus. 14 pour 15. Je crois que je vais faire un tour au camp, voir s'il m'en reste pas quelque part des trucs. Attends, les popos de soins là, c'est les trucs que t'as envoyé à Katox ou c'est les siennes à Katox là? Je vois 7 potions de soins supérieures. Alors c'est pas des potions de soins, je te dis, c'est Oui, non, mais je vois les remèdes et tout machin, mais ça, moi, je vais les garder au cas où, si jamais il y a besoin de soigner quoi que ce soit. Envoyé, c'est un élixir de santé qui soigne n'importe quelle maladie et neutralise des états aveugles, paralysés et empoisonnés. Ça t'intéresse, ça? Bah, ça peut être utile, on sait jamais. Là, par exemple, tu vois, regarde-moi et... Ah non, je suis plus malade. D'accord, ok, j'ai rien dit. Non, mais... Élixir de force des géants des nuages. T'en as besoin, ça, Katox? Quoi? Élixir de force des géants des nuages. Je suis pas volé, moi. Hop là, t'inquiète pas, tu l'as plus. Ah mais oh, rendez-le moi. Démerdez-vous. Putain, c'est qui me l'a vilé et qui me l'a piqué? Bah c'est toi qui l'a pas pris sur mon inventaire. Et non, je l'ai pris, mais on m'a foutu un truc d'huile de combustion à la place. Je sais pas qui c'est. Oh, bah c'est pas moi, j'ai pas que ça à foutre. Y a quelqu'un qui s'amusait à faire des blagounettes parce que bon, c'est revenu dans mon sac, donc c'est... Je t'ai dit, c'était dans mon sac. Bon. Voilà, j'ai ouvert tous les coffres. Dialogue de sourd. Bon, alors attendez, parce que je vais faire un tour au camp vite fait. Moi je descends à la salle des coffres. Hein. D'ailleurs. Oui, mais c'est-à-dire que s'il y a des coffres à crocheter, il va me falloir de quoi crocheter les coffres, quoi. C'est plus ça. Bah, normalement on a des clés, non? Bon, j'ouvre la porte. Ferme la porte! Ah, je passe à travers. Maison des comptes. Bah voilà, il m'en restait 30 ici, je me disais bien qu'il en restait. T'as passé le gaz, c'est ça? Ouais.
me disais bien qu'il en restait quand même quelque part, il m'en restait 30. Et c'était où ce que... Bah dans mon coffre, mais c'est que c'est lourd ces conneries. Et... Bah 30 ça pèse 5 kilos alors si tu veux, bon sur le principe... C'est presque autant que les clés qu'on a ramassées quoi. Bah c'est ça. Laura Katox il y a eu de poches pleines de vin. Bon. Ah, un coffre verrouillé. Plein de coffres. Mais ils sont derrière des portes bizarroïdes. Ah oui. Là on parle. Mais tu te souviens que t'as qu'un PV hein. Comment quoi? Bah ton personnage il a qu'un PV là. Non, bon, je lui dis ça comme ça, hein. C'est pour toi, hein. Bon, moi, je suis à la salle. Ah ouais, moi, on avait parlé dans le repos, donc c'est pour ça que j'avais foncé. Mais pourquoi tu m'as rendu la bouffe, espèce de teuteux, c'est toi qui... Ah non, c'est pas toi qui m'as rendu la bouffe. J'ai rien dit. Autant pour moi, je me reprends. Ça veut dire que tu t'es déjà pendu. Ah oui, c'est ça. Non. Hop là, tiens, je t'envoie la bouffe. Diamant et du gold. 500 d'or, 250 d'or, parfait. Ah oui, c'est magique, hein. Tu m'envoies des trucs périmés et je te renvoie les mêmes, mais plus périmés. J'ai vu. C'est fou, hein. Bon, y'a quoi dans cette connerie de coffre, là? Y'a des trucs? Ah. Alors, y'a des pièges, des choses, ou... Oula. Y'a des richesses, hein. Ouais, tous les bateaux, vous avez vidé tous les bateaux, je suppute. Bah, ouais. J'ai essayé. Tu putes bien. Bon, ça c'est quoi? J'essaie de passer le glyphe. Pourquoi je peux pas passer le glyphe Mais vous voulez pas qu'on fasse un... Normalement il y a pas question de faire un long repos là parce que... Bon... Si. Ça veut dire qu'il va y avoir un gros monstre quelque part. Quoi non, c'est juste que là s'il y a des pièges et tout machin, moi j'ai un PV, j'ai pas spécialement envie de passer mon temps à lécher le sol alors que vous avez déjà tracé. Oui, bah après... Oui. Bah comme dirait mon médecin, au pire tu meurs quoi. Oui, alors oui, mais là je traverse le nuage sachant que vous êtes tous barrés. Ah ouais. Je me retrouve en clip de guerre. Oui, c'est ce que j'allais dire, pourquoi t'es tout nu toi? Je sais pas. Voilà, c'est le speedrun du long repos. Hein. Ah, j'avoue. Vous m'avez gonflé là, on fait un long repos, on en fait pas ou je sais pas quoi. Voilà, le long repos il est fait. Oh, mais tu m'en as fait un autre d'élixir de soif de sang. Ah mais non, c'est vrai qu'on l'a acheté. Non, on l'a acheté. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il faut. J'ai cru que tu étais merveilleux. Non, parce que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour refaire des élixirs, mais en vain. Alors, élixir de puissance de mage de bataille. Voir. Donc. Ensuite, nous revoici de mage. Hop. Dans le truc. Et il nous a RTP devant le. Il y a un coffre en bois là! Un petit coffre en bois! Content d'être allé chercher. Des conneries là. Alors, avis ensuite, au client. Faveur de Keresha, c'est ça que je veux. Mais comment on fait pour aller ouvrir les coffres qui sont là? Ils ont l'air si bien. Là, doit y avoir un truc quelque part. Petit dos du. Et des machins sur la. Ah, d'accord, vous êtes tout en bas là, vous êtes déjà dans les salles des coffres. Oui. Très bien, j'arrive. Il y a une plaque que j'arrive pas à activer parce que je sais pas ce qu'il y a dessus, mais il y a des numéros. Moi aussi, je peux pas cliquer dessus depuis tout à l'heure. Ah, règlement des chambres fortes. Ne vous approchez pas d'un coffre autre que le vôtre, assurez-vous du numéro avant de l'ouvrir, ne demandez pas d'aide, pas de problème. Attention, sol mouillé, toute utilisation d'appareils alimentés par la foudre peut s'avérer dangereux. Et vous avez pas ouvert les coffres forts de chaque côté là? Bah en fait on l'a oublié mais ça marchait pas. Ah il se passe des trucs quand t'appuies. Bah dans celle-là la deux pièces vous. Ça a cliqué rouge. Là. Ouais bah j'essaye de faire en sorte que ça clique pas rouge. Bah si on est. Ça vous dit pas d'envoyer de TP quelqu'un ici là ou forme gazeuse et tu viens ici là et tu t'ouvres toutes les portes monsieur? Attends, quoi? C'est quoi ce gros glyphe au sol là? Bah toi aussi tu l'as vu. Mais c'est, le truc c'est que je peux pas me forme gazeuse Moi voilà. Je peux mais... Moi je peux mais Bah ou mais tu peux, c'est quoi? C'est une potion ou t'as un... Eh oui, moi j'ai des popos de forme gazeuse si tu veux je t'enfile un. Ou on a des parchemins ouais. Tu me diras, j'ai peut-être d'ailleurs.
C'est à quelle tête la forme gazeuse comme potion? C'est une bouteille avec un fond bulbeux. Merci. Bah ouais, je sais pas comment te le décrire, tiens, je t'en envoie une. Ah bah j'en ai une. Tiens. Ah bah parfait, bah si tu veux bien me le rendre comme ça. Ah c'est ça, ok. Sortez la pile, oui. À qui je l'envoie? À Mulmire? Bah garde-en, parce que du coup... Je... Attends, mais ça dure... Ah mais ça dure que 10 tours, hein. Il va falloir être rapide. Hein. Oui bah je te... On met en tour par tour. Ah oui, mais après il pourra pas crocheter quand il aura passé. Soit clair, Ah bah tu peux. Ouais mais je peux pas crocheter en fait. Ah, j'ai pas eu besoin. Bah déjà ce clé tu l'as, tu peux ouvrir le coffre. De l'or, parfait. Mets-toi en tour par tour. C'est trop marrant, allez, oui. C'est d'accord. H à 2 mains plus 2. Ah, c'est marrant, t'as une forme. Tu ressembles à un œil. Putain, je te prends les trucs lourds de ton sac comme ça. Une potion de résistance universelle. Waouh! Une quantité de conneries, ouais, j'en ai eu deux. Élixir de puissance, dommage de combat, ça c'est pour moi. Y'a quoi là-dedans? Y'a d'autres trucs. Y'a un autre truc, mais j'arrive pas à cliquer dessus. C'est quoi ça? Il y a un squelette mais on s'en fout. Ah oui mais putain c'est vrai que là... Ah oui vas-y... Ah mais on est pas passé en tour par tour en fait. Mais non, non. Depuis tout à l'heure on t'a dit de le faire. Et vous pouvez appuyer dessus vous aussi. Bah... Non mais dites donc. Allez. Ah bon, bordel là. Non mais là ça sert plus à rien, je suis plus en forme gazeuse les gars. C'est fini, elle est finie la potion. Hein. Fallait dire plus tôt. Mais y'a personne qui a des nuages de gaz à. En pare-chaud, il doit y en avoir des pare-chauds. C'était utile ça, y'avait rien dans ce truc. En plus. Oui, bah après, bon. Hein, Qu'est-ce qu'on pointe. Bah là. Qu'est-ce que j'ai moi qui me permet de faire ça? J'ai pas un truc pour stepper là qui traîne? Attends, je cherche dans le bordel de... Oh là là, il y a... Des bottes avec Blink ou une connerie, là. T'as tellement de pare-chauds. Là, on pourrait te faire danser jusqu'à la mort, sinon. Bah, après, je peux faire des dimensions à l'or, mais bon, c'est un peu... Ah, mais j'ai des flèches de TP. Ouais, je vais faire ça. Et le vol, si on te fait un truc de vol, tu pourrais pas voler au-dessus? Peut-être que tu claques pas toutes tes... Attends, je regarde si j'ai des popos de vol. Pour faire des potions de quoi? Attends, pour l'instant j'ai besoin de rien. Envie de toi? Ouais, mais... ouais, je peux pas faire des potions de trucs brumeux. Bah j'ai une potion de vol si tu veux, attends. Ouais, non mais ça marchera pas. Bah pourquoi ça marchera pas? T'as essayé? Parce que ça va jusqu'au sommet, au plafond le truc. Ah ouais? Ouais. D'accord. Sac à dos vide. Ah non, il était pas vide. Ça c'est pour Arda, ça c'est pour... Alors... Ça c'est pour Mulmir, ça c'est pour Katox. Élixir de résistance psychique. Des pièces de cuir. Ça c'est pour Mulmir, ça c'est pour Katox, ça c'est pour Katox. Ça, c'est quoi, le nécessaire de déguisement c'est pour moi? Le bois, j'en sais rien. c'est comment ouais. Faire pour que je ne m'encombre pas? Je vous donne tout ce que je ne peux pas. Vous en faites bien ce que vous voulez, ça ne me concerne plus. Putain, ce coca est vide. Est-ce qu'il était au citron ou à la vanille? Non. Oh, mais arrêtez, respectez-vous. Est-ce qu'il était... Oh, incroyable. Il était zéro, comment tu veux qu'il se respecte lui-même? Tu sais, je me respecte tellement que je ne bois plus de soda depuis des années. Oh, ça c'est bien, bravo. C'est bien, Attends. Regarde, je t'envoie un truc. Tu te souviens de ça? Ah oui. Attends. Tu me les rends après, mais... Ça doit aller avec. Tu veux que j'essaye? Fais-toi plaisir. Eh ben, c'est un peu décevant, hein. On va pas se mentir. C'est vrai? Oh, je suis très déçu.
Bah regarde, regarde. Ça rendra mieux. Sur moi, en tout cas, bon, les perspectives sont un peu écrasées, donc c'est pas fou. Putain, y'a un truc là, on le voit, y'a une armoire derrière un tapis, mais pourquoi je peux pas ouvrir l'armoire? Parce que y'a un tapis dessus. Bah ouais, je vois ça. Parce qu'il a fermé l'armoire et il a mis le tapis dessus. Allez, il reste le coffre numéro 8. En fait, je pense que c'est comme il y a eu la sonnette d'alarme, ça a dû fermer toutes les portes en fait. Oh, je te rends les délicates. Ah non, je te rends les bottes célestes. Oh, t'adore. Ah bah, moi je vais rester là. Hein. Je t'ai envoyé tes tenues affriolantes. Ah, cool. Allez, salut. Sur les bolosses. Incroyable, elles vont vachement mieux que celles que j'avais. Hé hey, une autre couleur. On sera en vert aujourd'hui. Bon, tiens, Katox, c'est bien. L'autre côté, est-ce que je vous laisse réfléchir ou vous voulez que je... Oui. Ah, mais vous avez déjà réussi à la vider. Vous avez déjà vidé toute la pièce. Ah non, pas les autres. Numéro 1. Mais j'avais la clé de la numéro 1. Bon, comment je fais pour me barrer d'ici maintenant, moi? Ben, on peut te filer une popo de bloup bloup. Parce que je pourrais me TP, mais j'en ai plus qu'une de flèche de TP, donc sur le principe... Ouais, non, mais attends, on va regarder, on va avoir des trucs gazeux qui traînent. Bah, on en avait une autre, Katox, enfin, toi t'en avais une que je t'ai envoyé. Ouais, j'en avais une aussi, ouais. C'est moi, Katox, ou tu fais exprès de passer dans le... J'ai la clé du coffre numéro 2, mais je sais pas passer ça. Je te la donne dès que je l'ai retrouvée. Ah merde alors, tu l'as reprise ou... Ah non, elle est là, c'est bon. Je pense bien que j'ai pas que ça à foutre. Paf. Mais comment t'as réussi à passer toi? Ah voilà, ça c'est un mage. Ah, c'est parce qu'il y en a un deuxième, d'accord. Le dimage. Bon, comment on fait pour désenchanter ces bousins là? C'est pas comme ça. Tout à l'heure, j'avais réussi à jumper suffisamment loin pour ne pas être emmerdé. Ah bah attends, ouais, je peux essayer de jumper de l'autre côté de la pièce, moi. Putain, là, tout à l'heure, j'avais réussi. Quelle est cette magie noire? Quelle est cette sorcellerie? Et ici, normalement, je me fais pas TP. Ah bah si. Bon. La forme gazeuse, c'était bien, mais ça me servira plus à rien ici. Ah bah non, mais peut-être que t'aurais pu essayer de passer et pas te faire Non, ça marche pas, j'ai essayé. Mais ça... Est-ce que ça marche? Non. Bah tu vois, regarde, il a volé Katox et ça a très bien marché. Ouais, ça dure combien de temps le vol? 10 tours. C'est 10 tours aussi. Ok. Et je croyais que t'avais la clé du numéro 2, mais au final tu l'as. Bah moi aussi. Ah. Une pièce d'or. Un candélabre. Ouais, alors une pièce d'or, bon. Vous savez quelle tête les potions de vol? C'est un peu comme les potions de vitesse, non? J'en ai. Sur... Il a plein de pare-chaud, hein. Il a plein de pare-chaud sinon Rada dans sa besace là pendant. Attendez, bougez pas des potions de vol. T'en veux? J'en. Non, crafte pas, on en a. Hein. Il a 6 pare-chaud de vol. Hein. Parchemin de retour à la vie, super. Pourtant, j'étais sûr d'avoir des potions de vol. Pourquoi est-ce que j'en ai pas? Ah si, j'en ai une. Ah bah tiens, regarde, paf, voilà, t'as un scroll là, et encore dans ta brouette, dans ta charrette de documents là, t'en as plein des pare-chauds de vol. Ah, sinon moi j'ai encore des potions de vol, hein, j'en ai au moins 4. Ah non, c'est invisibilité, my bad. Ah. J'en ai 3. Comment t'as fait pour pas te trigger un truc? Bah parce que tu dois faire un vol. Tu dois te déplacer avec l'option de vol. Tu dois te déplacer avec l'option de vol, c'est tout? Oui, merci. En fait, t'es au courant que quand tu voles, tu peux te déplacer avec l'option? Ouais, c'est qu'il faut te déplacer avec l'option vol en fait. C'est fou. Genre comme ça. Je sais pas pourquoi il voulait pas, mais bon. Fin du tour parce que je peux pas crocheter. Vu que j'ai lancé l'action. Moi, je vous laisse découvrir. Je veux bien que vous passiez le tour, s'il vous plaît. Moi, j'ai passé mon tour. Et donc tu nous dis de découvrir quoi? Des trucs. Ah bah non, bah. Là il y a techniquement il y a un moyen de désactiver les runes au sol, hein. Mais là y a un on bouton. La bypass mais. Non mais il y a des boutons. Pas juste cliquer sur les boutons. Il y a un bouton là.
Oui. Il y a un autre de l'autre côté. Mm-hmm. On peut pas juste cliquer dessus, genre, en même temps? Bah, il y a possibilité que ce soit ça la solution. Et là, il y a un truc, là. J'ai pas vu, t'as cliqué. Ah, il y a un truc. Ah, ouais. Possibilité de déplacement insuffisant. Mais effectivement, c'est surbrillé. Il y a une quantité de conneries, tiens, c'est pour toi, Arda, je sais pas ce que c'est, mais... Bon, allez. Paf. Et ça a fait quelque chose, ça? Normalement, ça marche. Ouais, c'est bon. Ah bon? Ah ouais, c'est bon, là... Merveilleux. Ah oui, c'était dans ma première run, c'était là où je m'étais rendu compte que tu pouvais appuyer sur les boutons en balançant des flèches dessus, j'étais là « Oh !» Si j'avais su ça avant. Bah ouais, hein, c'est fou. Mais y'avait rien là-dedans que deux pauvres bouteilles de vin, genre. Ah ouais, peut-être qu'elles valaient super cher les bouteilles de vin. Bah pas vraiment, hein. C'est genre une PO la bouteille, hein, on va pas se mentir. Hein. Ah, donc c'est de la piquette en plus. Bah, c'est pour ça, bon il reste un dernier. Allez, vends-nous du rêve. Catox. Ardarine. Ah, ouais, il en restait encore à crocheter ? Allez, pardon. Mais à Poulpa. Loupé. Échec. Loupé, loupé ! Loupé. Loupé, loupé. Comment tu t'enjailles bien là? Allez, ah bah voilà. Là on parle, c'est bien. Bon, je prends les gobelets. Hein. T'as bien raison. Bon, il reste là le gros coffre à ouvrir maintenant. Bon, tout ça, c'était bien. Bon, faut essayer de comprendre c'est quoi les symboles à faire. Pendant que vous réfléchissez, je remets de l'ordre dans mes parchemins. Eh bien, Rayo. For current door codes, please refer to the head banker's office. Highest security clearance only. Ah. Ah. T'as cliqué sur quoi ? L'un qui est bleu. Maintenant ils sont rouges. Non mais attends, déjà pour commencer de Mulmire là. Attends. On est reparti. Ah d'accord ça. Ah putain mais vous êtes en relou. Faut reset tout. Attends, on va faire dans l'ordre parce que sinon on s'en sortira jamais. Voilà, c'est pas celui d'Arda a réussi. Ah lui on l'a pas fait lui. Okay, on a pas fait beaucoup. Pas celui-là. Non. Il reste celui-ci, celui-ci. J'ai pas testé le 2 je crois. Bah lui non plus. Ah, ah trouvé. Ah c'est okay. Bon ça. Bibou. J'ai trouvé ma dalle. Non. 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 1, 3, 5. Non. Non. Ah bah c'était 6 là où je suis allé, 5 il était pas là. Ouais. Je vais sur le 5 du coup. Vas-y. Non. Non. Tu vas sur le. Tu vas sur celui-là là. Le force. On va brute force. Ouais c'est brute force. Brute force. Brute force de corde. Bon, écoutez, en fait vous m'avez tous saoulé. Non. T'as essayé celui du milieu. Ah. Ok. C'est genre 30. C'est bon, ah j'ai ouais. Le troisième. Eh t'es mûr de merde de toi, trouve le dernier. Allez arrête de craquer. Mais tu vas encore te plaindre parce que t'as plus de d'outils. De couleur, arrête. Oui j'en ai mais il faut faire 99. Ouais ça tu. Même je crois que même une recette créée une racine. Non.
Mais t'as déjà testé celui-là? Non. Si, je sais plus. Si. Je sais plus. Ah, ça c'est le savoir-faire, hein. Vous savez, hein, c'est des années d'expérience. De l'or. Il y a de l'or là dans la statue. Let's go. Attends, mais on a fait combien là de thunes? On a fait quand même pas mal là, on a fait 6000 ou 7000. Attends, il y a des gens qui parlent. Ouais, comment quoi, hein? Mais t'es en bas déjà. Il est descendu, ouais. Bah oui, mais je pensais que c'est un escalier moi. Slow it down. But the stories. Stories. Tall tales and big names, lad. Don't let them fool you. Elminster the Archmage. C'est pas le gars qui nous a envoyé sous l'eau là? C'est parce que c'était deux nains. Oui. Vous, c'est vraiment raciste ce que tu dis. A little coin into the right purse. A soft word in the right ear. It's not glory that spins these planes, lad. Et un mage. See? No. Morrigan's cracked clay. En fait, c'est un mimique. Oh, l'arrivée! C'est beau. Oh là là, Minsk qui sort du coffre en mode badass. If there is one thing Minsk hates more than beasts with bad breath. It is those who are tricksome with the truth. And turnips. But you are no turnip. Let that be of comfort in your final moments. Step out of the shadow. You. Okay. The Absolute has shown me your face, villain. I will beat it into a more pleasing shape. Enough play, Stone Lord. The Absolute has other plans for this one. Mais d'où elle sort celle-là? Eh ouais, c'est Jaira. Nine fingers set a poor trap, little banker. Let the Absolute's faithful show you how it is done. Elle nous trahit là? Mais c'est pas elle. Come, Stone Lord. We have the gold, and the Absolute has need of it elsewhere. As you ça say, sent... Jaira. Ça sent le truc un peu bizarre. La connasse. Je pense pas qu'elle nous ait trahi, c'est quelqu'un qui a dû prendre ses traits. Bon. Alors, je suis très déçu parce que moi, dans ma partie, je sais pas pourquoi, mais il y avait Jaira qui était maquillée avec du truc de clown sur la gueule, et ça rendait la scène vachement moins épique. Je sais même pas pourquoi, parce que je crois que j'avais dû faire le con, je m'étais amusé à maquiller tout le monde dans mon groupe à un moment de la game, et ça l'avait bloqué comme ça dans les cinématiques, à chaque fois elle était avec un costume de... J'espère qu'on a pas pété le jeu et qu'en fait c'est Orin qu'on a tué. Tu vois, genre, oups. Bah non, des changelins, c'était pas la seule changelin du jeu, on avait déjà fracassé plein. Ça c'est tout le truc de Boal, des Boal. Ouais, c'est vrai que tes disciples sont un peu... Ah ouais. Ouais. Il y a un garde-coffre là. Et bizarrement ils veulent pas nous tuer. Il est jaune hein, il est pas contre nous. Ouais c'est marrant hein, c'est... ils sont pas... ils sont pas potes. Bal est arrivé à l'étage. Bal est arrivé. Non mais Bal est arrivé à l'étage, il a tout tué, oh là là. Ah ouais, oh, un bon chant, c'est pas dur. Ah la vacherie, hein, vraiment, rien pu faire. Je suis arrivé, ça... c'était déjà comme ça. Ah ça, c'est horrible. Une vraie boucherie, quoi. Ah, je constate comme vous, hein. L'accident bête. Ils ont... Hey.
ils ont marché sur une peau de banane et paf, ils ont invoqué un beholder, quoi, vraiment. Ils ont sanctuaire, les petits iguilles. Ils sont pas allés de main morte, hein. Ah, ils voulaient rentrer, hein. Bon, est-ce qu'on s'arrêterait pas là-dessus en mode cliffhanger, puisque ça fait encore une heure qu'on y est? Bah, on peut, hein. Oh, ouais. Et bah, merci à tous de nous avoir suivis, puis on se dit à très bientôt pour la suite de cette épique série où nous sommes sans... On tue tout le monde. Reproche. Bah, on a juste une orientation variable. Non mais techniquement, si tous les gens qui nous font du reproche sont morts, on est sans reproche. Personne. Ah ouais, c'est pas faux. Ouais, il y a du sang sur nos reproches, oui. C'est ça. Alors. Allez, sur cette blague, on s'arrête. Ciao.